Coucou, coucou, qui est là? Coucou, Melova Love, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Qui est là, qui n'est pas là? Venez, 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 venez. Avec le teint qui va avec. Est-ce que vous êtes là avec le teint qui va avec? Sortez, sortez, oh, venez, oh. C'est gâté, gâté, gâté. Tout est mélangé, mélangé, mélangé. Tout est mélangé, mélangé. Allez là. Allez là, tout est mélangé, mélangé. On ne sait plus où c'est. On ne sait plus, il faut se positionner. On ne sait plus où mettre la tête. En tout cas, tout est gâté dans notre main. Donc, venez, mes love, love. Je suis là. Hein, le teint qui va avec toujours. Venez, on va causer un peu. Après, je vais doudou. Est-ce que vous êtes là, mes Lova Love? Mais tout le monde est concentré sur le match là. Il sait que vous êtes concentré sur le match actuellement. Moi, ici, là, il regarde le match. Mais actuellement, il y a trop doux même que le match. Ah oui. Donc, laissez à faire des matchs là. Hein, venez faire Congo, ça, c'est mieux. Donc, venez, venez, venez. Actuellement, là, c'est gâté, c'est zinzin. Je dis que. Tout est guinzin, tout est mélangé, mélangé. Hey, actuellement, c'est gâté. Si on vous dit que c'est gâté là, c'est que c'est gâté. Donc, venons, on va s'affairer. Laissez histoire de match là, il n'y a rien là-bas. On n'est pas qualifié. Tous ceux qu'on comptait dessus là, ils ne sont pas allés à la qualification. Donc, on fait quoi un match? Et ce match là, ça nous regarde. Actuellement là, après, j'ai trop doux que match. Hein? Donc, mais alors, sortez, on va causer un peu. Hein, le teint qui va avec. On va faire un peu de Congo, ça. Voilà. Parce que vous-même, vous savez, hein, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Donc, les dossiers là. On ne sait même pas quel dossier on va traiter, quel dossier on va laisser. Tellement les dossiers sont versés socotor. Hey! Les dossiers sont versés socotor, c'est-à-dire c'est versé dans notre main comme ça. Jusqu'à y a d'autres dossiers même là. On oublie. Il y a d'autres dossiers même là. On n'a même pas le temps de traiter. Seulement ça vient seulement. Ça, ah, laissez-moi se reposer un peu ou bien. On ne peut même pas se reposer. Dès que tu tournes en même temps. Hein, voilà, voilà whisky aussi. Voilà whisky aussi. Son dossier est là. Whisky, l'artiste nigérien là, qui devait venir presto aussi, lui aussi son dossier est là. Donc actuellement, tout est mélangé dans notre main. C'est-à-dire les dossiers même sont mélangés, 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 mélangés. Qu'est-ce qu'on va traiter? Qu'est-ce qu'on va laisser? On fait comment? Attends, même si on aime Congo ça, mais Congo ça de cette fois-ci là, c'est gâté dans notre main. Voilà. Donc, mes love à love, connaissez-vous? Et voilà. J'espère que vous êtes là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je vais super bien comme vous me voyez, avec le teint qui va avec, toujours bonne mine, avec, voilà, ce que vous connaissez. En tout cas, tout va super, super, super bien. Voilà, vous m'avez manqué quand même, ça fait 2 jours, hein, voilà. C'est important, il faut se reposer. Le corps a besoin de se reposer aussi de temps en temps. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo, même si je n'ai pas annoncé que j'allais faire une vidéo, parfois pour faire les surprises. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une histoire de Apuchu National avec le vieux. Vous connaissez le vieux là. Voilà le vieux qu'il avait offert un taxi un temps là. En tout cas, le vieux il est sorti ici, un gros, gros français pour nous donner. Vu quand nous on a assis par terre. Le vieux est sorti ici. Hein? Un gros gros français. Pour venir nous donner ici jusqu'à nous on a assis par terre. On dit oh. Parfois il ne faut pas les mendiants là. Quand tu les vois, il faut les laisser sur le chemin. Ah oui. Parce qu'on a remarqué une chose, hein. Les personnes qu'on aide toujours, les personnes que tu aides toujours, ce sont ces personnes-là qui retournent contre toi.
Oui. Ce sont ces personnes-là. Après, ces personnes vont se retourner contre toi. Voilà un vieux. Ça, c'est un papa même. Oui, si on comprend bien, c'est un papa. Peut-être même un père de famille. Que Apuchou, il a eu pitié de lui. Le vieux l'a traîné quelque part. Hein? Il mendiait quelque part. Il demandait les 5 francs, les 10 francs dans la, dans les rues d'Abidjan, quelque part là-bas. Il traînait, il tapait salam. Quelque part là-bas, pour toi, il a pitié de ce vieux-là. Hein? Il a eu pitié. Non, parfois, quand c'est bon là, il faut dire la vérité. Ah oui. Parfois, c'est bien de dire la vérité. Le jour que c'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Mais cette fois-ci là, le vieux là, il a zaillé. Oui, il a trop zaillé. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. C'est de l'ingratitude. Donc, ce vieux-là, nous tous, on a vu devant nos deux yeux ici. Comment Apuchou, il a traité ce vieux-là. Il a amené même, quand on voyait le vieux, on pensait que c'était un fou. Eh oui, le teint qui va avec. On pensait que le vieux-là même était un fou. On pensait même que c'était un clochard. Il a dit, Apuchou a pris le vieux-là. Il l'a amené dans le salon de coiffure. Il allait bien coiffer le vieux-là. Il a coiffé le vieux, il est devenu zo comme ça. Allez acheter les nouveaux habits pour le vieux là. On dit, vraiment, Dieu a touché le cœur d'Apuchou. Voilà un vieux comme s'il est en train d'aider jusqu'il a acheté, il allait acheter taxi. Parce que le vieux, il paraît qu'il est un taximan. Il paraît qu'il conduit taxi. Mais ses yeux là sont pas trop ça. Voilà, il a problème, Dieu il voit pas de loin. Donc, quand pour toi acheter taxi là, il dit, ils sont allés passer permis, oh, je vous exclue dans mon Congo ça. Donc, asseyez-vous, partez, puis écoutez-moi. Ils sont allés passer permis. Donc, ils sont allés passer permis là-bas là. Quand ils ont vu que, ils ont visité, ils ont contrôlé les yeux de vieux, ils ont dit, le vieux là, il ne voit pas loin. Donc, il ne peut pas conduire taxi là. Donc, c'est comme ça que, pour tu dis, si c'est comme ça, on va confier taxi là. À mes partenaires là. Hein? Comme ça, le vieux, toi, tu fais rien. Tu vas pas payer Kabiran, tu vas pas payer les impôts, tu vas pas payer les taxes. Toi, tu vas rien, c'est-à-dire que toi, tu es assis là. Et puis, chaque fin du mois, on te verse 200 000 francs CFA. C'est-à-dire que toi, tu n'as aucune dépense à faire. Si le taxi est gâteau, si le taxi en panneau, si un pneu qui est dégonflé, c'est que sur l'entreprise là, va s'occuper de tout ça. Toi, ton rôle là, le vieux, tu es assis là seulement. À la fin du mois, tu prends tes 200 000 chauds. Maman, 200 000 chauds comme ça, 200 000 frais. Un 200 000 comme ça. Toi, tu payes rien. Il n'y a pas fait de dire que l'essence est finie dans la voiture. Il n'y a pas fait de dire que le problème est carburant. Il y a un problème de tasse. Il y a c'est ça que toi tu assures le vieux. Et puis 200 000 francs chauds à la fin du mois. Tu as tes 200 000 dans ta poche. Il a, c'est donc ce que Apuchou a fait là. Il a mal fait de t'enlever dans ton salamadi où tu étais là. Hein? Donc Apuchou a mal fait en fait de t'enlever. Bon, on peut pas dire, bon, on peut dire quand même si tu étais quand même dans la pauvreté. Voilà. Tu étais dans la pauvreté et quelqu'un vient t'enlever dans la pauvreté. Et aujourd'hui, cette personne-là, si tu as eu un problème de paiement, si tu n'as pas reçu ton argent, si la société, l'usine te paye pas, mais tu devais me chercher à rentrer en contact avec celui avec qui tu allais, vous êtes parti signer un contrat de taxi, vous êtes parti payer truc au cabinet ou bien je ne sais quoi. Tu dois d'abord l'appeler pour dire que mon fils, voilà, fait des taxis là, j'ai pas encore reçu mon argent, je n'ai pas encore reçu ma paye, car il faut essayer de parler aux gens, ils m'ont pas encore fait le virement. Hein? Mais tellement que tu voulais, au fait, tu voulais salir l'image d'Apuchou. Tu voulais faire passer Apuchou pour le méchant, pour le mauvais. Pourtant, nous, on est assis ici par terre. Et puis, on a vu ce qu'il t'a fait.
Dans la vie, là, quand quelqu'un te fait du bien, là, il faut être reconnaissant. Oui. Mais tellement les gens sont ingrats. Tellement les gens sont méchants. Donc, ça fait qu'il y a certaines personnes même qui refusent même d'aider les gens. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas aider. Parce que tu vas l'aider demain. Bien vrai qu'on aide une personne, on ne demande rien en retour. Voilà. Quand tu aides une personne, tu le fais avec le cœur. Tu le fais de ta propre volonté. Tu le fais venant de ton cœur. Tu ne le fais pas pour que on te... Pour recevoir une récompense en retour. Mais au moins, la reconnaissance, c'est très important. Hein, le thème qui va avec. Oui, la reconnaissance. Il faut au moins être reconnaissant du bien que la personne t'a fait. C'est très important. Même la personne ne demande rien. Mais la reconnaissance envers la personne, pour ne pas venir salir son image, pour ne pas venir le traiter d'une mauvaise personne, il faut dire, ah, que hier j'étais assis, aucune personne n'est venue m'aider. Mais cet enfant-là, il est venu, il m'a tendu la main. Mais tellement le vieux, il voulait tellement salir l'image d'Apuchou, une autre personne te voit dans la rue, comme la personne aussi cherche la visibilité. Oui, on a l'impression que cette personne-là aussi, il voulait profiter aussi du vieux pour se faire connaître. Il voulait profiter aussi du vieux pour chercher la visibilité. Pourtant, quand le vieux l'a traîné d'Abidjan, là, la personne qui l'a filmé aujourd'hui pour venir balancer sur les réseaux sociaux en faisant croire que le vieux ne reçoit pas son argent. Hein? En faisant croire que le vieux ne reçoit pas son argent de taxi. Pourtant, la même personne, il était là quand le vieux souffrait dans la rue. Il était là quand le vieux était en train de quémandier. Il était là quand le vieux était sale, sale comme ça. Il traînait dans Yopougon là. Il demandait, il s'arrêtait de voiture en voiture pour demander de quoi manger. Est-ce que le vieux, est-ce que le jeune qui est venu filmer pour faire croire aux gens que il ne reçoit pas son argent de fin du mois. Est-ce que le jeune n'était pas là? Il était là, mais il n'était pas capable de l'aider. Oui, il n'était pas capable de l'aider. Mais quand quelqu'un d'autre vient l'aider, et toi tu veux profiter pour venir salir son image. Ah, vous voyez comment les gens sont méchants? Toi tu veux profiter pour venir salir son image. Quand même vous regardez là-haut, est-ce que c'est normal? Quand vous-même vous regardez le comportement du vieux là, bon, je ne sais pas si le vieux là, c'est 2, 25, ne vaut pas 50. Bon, je ne sais pas si le vieux là, est-ce que ça va réellement dans sa tête? Est-ce que son boulon là, est-ce qu'il n'y a pas un qui a pété? On ne sait pas. Mais quand vous regardez l'ajustement du vieux, son comportement là, ça c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que quelqu'un qui t'a pas aidé hier, il veut juste que tu fasses une vidéo. C'est-à-dire qu'il te force, il te pousse à parler pour que lui, il va faire le buzz, pour que lui, il va avoir nom sur lui. Lui-même, qui le connaissait? Est-ce qu'on connaissait ce jeune-là? Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Mais il voulait juste profiter pour pouvoir venir saluer l'autre. Est-ce que quand il signait un contrat, quand Apuchou signait un contrat, le vieux là, est-ce que le jeune il était là? Quand Apuchou, il faisait sortir son argent de sa poche pour acheter taxi pour le vieux là-haut, est-ce que le jeune qui est venu faire vidéo le vieux, est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais quand c'est pour venir salir, ils sont premiers à venir le faire, mais ils sont pas là pour l'aider. Ils sont pas là pour l'aider. Si Apuchou laisse le vieux là demain, il a raison. Il n'était pas obligé de l'aider, mais il l'a fait de sa propre volonté. Oui, oui, il l'a fait venant de son cœur. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont vouloir le salir. C'est pas pour autant. Le vieux était tellement méchant, n'a pas été reconnaissant. Oui, il n'a pas été reconnaissant pour tout ce qu'Apuchou a fait pour lui. Il pouvait bien rentrer en contact avec Apuchou.
Même s'il n'a pas son numéro, il sait comment rentrer en contact avec lui pour pouvoir lui expliquer le problème. Mais il n'a pas fait. C'était juste pour venir saluer son image, pour le faire passer pour la méchante personne, pour la mauvaise personne. Pour venir le jeter à la verdure populaire. C'est tout. Sinon, toi, le vieux, quand tu étais d'Abidjan, tu n'as pas touché 200 000 par mois. Hein? Quand tu traînais entre les taxis, là, est-ce que tu touchais 200 000 par mois? Hey, je dis vraiment, hein? Ça dit, il y a des gens qui ne vont jamais réussir dans leur vie. Hein, oui, oui. Ça dit qu'il y a des gens que Dieu a créés, là. Et ils vont passer leur vie en train de mendier. C'est-à-dire la mendiancité le suit. Ils vont rester mendiants toute leur vie. Parce que tu vas beau les aider, ils ne seront jamais reconnaissants. Tu vas beau les laver, ils ne seront pas propres. Tu vas beau les donner à manger, ils ne vont jamais grossir. On connaît l'autre là-bas. C'est-à-dire ces gens de personnes-là, eux seulement, je ne sais pas, on dirait leur bénédiction là, c'est fini. Sinon, toi, depuis que tu es à Abidjan, tu n'as jamais touché 200 000 par mois. Hey! C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la chance. Dieu t'a donné une seconde chance. C'est-à-dire, cette seconde chance-là, tu n'as même pas profité de ça. Hein? Tu ne veux pas profiter. Mais c'est que toi, vraiment, les sorciers de ton village-là, peut-être qu'ils t'ont déjà fait lavage de cerveau. Oui. Les sorciers, c'est-à-dire le vieux là, les sorciers de son village. Ah oui, oui, oui. Les sorciers de son village ont déjà lavé son cerveau. Ils ont déjà fait lavage de cerveau. C'est-à-dire c'est un vieux, même il n'a qu'à l'aider. Comment, il pourra jamais réussir. Ah oui, il pourra jamais réussir parce que les sorciers, ils ont déjà fait leur travail. Voici l'exemple. C'est-à-dire que le même jour que Apoutou a rencontré le vieux, que Apoutou il a fait taxi à le vieux là. Dès que le sorcier de son village, dès qu'ils ont vu Apoutou, il a acheté taxi pour le vieux. Il a rendu zo, il a lavé, il a coiffé, il a changé sa coiffure. Le lendemain, ils ont fait un convoi à Abidjan direct. C'est-à-dire qu'ils ont payé transport pour venir réclamer aussi les agents à Apoutou. Ça, si c'est pas, ça veut dire que déjà même là, la sorcellerie a déjà commencé. Parce que ce genre d'aide-là, ça n'allait même pas arriver quelque part. Oui, ce genre d'aide où les oncles payent transport, ils font convoi du village jusqu'à Abidjan pour venir réclamer aussi et aussi les agents. Parce que tu as aidé leurs fils, il faut aussi donner leurs parts. J'ai dit, oh, c'est pas la sorcellerie ça. Hey, la sorcellerie en pleine journée. Ah oui, oui, oui. La sorcellerie en pleine journée. C'est-à-dire que toi-même, tu es assis. Et puis tu dis, mais je suis dans quoi? Non, vous-même la voyez à faire là. Tout est mélangé, mélangé. C'est-à-dire le même jour que Apoutou, il a offert taxi au vieux là. Hein? Le même jour là, les oncles du vieux au village là-bas, dès qu'ils ont vu la vidéo là, dès qu'ils ont entendu là, ils ont pris convoi. Ils ont fait convoi, ils sont venus réclamer aussi leurs agents. On peut faire ça? C'est pas la sorcellerie ça? Est-ce que ça allait arriver loin? Quand vous-même vous voyez là, est-ce que ça pouvait arriver quelque part? Ça ne pourrait pas arriver quelque part? Parce qu'ils ont déjà travaillé le cerveau. Ils ont déjà gâté leurs choses. Bon, toi, quelqu'un a gâté sa chose et puis toi, tu veux réparer. Quelqu'un a déjà gâté sa voiture. Voiture au garage. Est-ce que c'est pour rien qu'il a assis, comment on appelle, au carrefour là-bas? Est-ce que c'est pour rien qu'il a assis au carrefour là-bas? C'est parce qu'il y a longtemps qu'ils ont lavé son cerveau. Il y a longtemps même qu'ils ont changé sa mentalité. Il y a longtemps même que les sorciers sont déjà passés dans sa tête. Donc, ils vont beau les dos. Le président n'est qu'à les dos. Les gens vont les dos. Ça peut pas, ça ne peut pas aller quelque part. Parce que c'est gâté. C'est quelque chose qui est déjà gâté. Donc, lui, là, tout ce qui reste là, il va rester dans la rue, il va devenir clochard, c'est tout. Sinon, depuis quand on aide une personne, hein, on aide une personne, et puis les oncles aussi viennent réclamer de l'aide, Adama. Vous-même, là, essayez-vous par terre, puis réfléchissez.
Vous-même, asseyez-vous par terre et puis réfléchissez comment est-ce que ça allait arriver loin. Hein? Déjà même, ils ont créé son compte bancaire. Son oncle veut aussi porter le nom. Il veut mettre aussi son nom sur les taxis. Hein? L'oncle aussi, là, il veut que son nom soit sur le taxi. Comme ça, quand ils vont achever les choses là. Là, si son nom est sur le taxi, là, le vieux ne va pas durer. Hey! S'ils ont mis son nom, sur le nom de l'oncle est sur le taxi. Mais le vieux ne va pas durer. Ils vont faire ça chap-chap pour récupérer le taxi, hein, le teint qui va avec. Hein? Ils vont faire le travail, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer. Ils vont accélérer le travail. Ils vont faire ça propre pour déposer ça. Quelque chose, on va dire, le vieux à Dja. Qu'est-ce qu'il a tué? Il était malade. Qu'est-ce qu'il a tué? Il était malade. Dja, le nom de l'oncle qu'ils ont mis sur le taxi là. C'est pour que l'oncle, le vieux n'a qu'à Dja, pour que l'oncle va rester sur le taxi. Mais comme Apuchou, il est intelligent, il a dit non. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que c'est le vieux seul qui doit porter le nom sur son taxi là? Mais quelque chose qui a déjà commencé comme ça, ça allait arriver où? Nulle part! Ça allait toujours rester. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a aidé là, c'est lui-même que son nom qui allait rester au milieu. C'est son nom qui allait rester au milieu. Hein? En voulant bien faire, en voulant faire du bien à quelqu'un, c'est toi maintenant, ton pied reste dedans. Et des gens qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas chercher à savoir, qui ne vont pas dire que, ah, bien vrai, le jeune là, il est ceci, il est cela, mais quand même, il a aidé ce vieux. Mais c'est parce que le vieux est inconscient. Le vieux, il est malade mental. Peut-être que ce 2,25 ne vaut pas 50. Peut-être qu'il est déréglé. Il doit avoir un problème mental. Ils ont déjà gâté sa tête. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Donc, c'est Apuchou, c'est-à-dire qu'il a eu tellement mal que, il était tellement choqué que même, franchement, et puis c'est normal, ça fait très mal. Ça fait très mal. S'il n'avait pas filmé, parce qu'il y a les gens qui disent, quand vous aidez les gens, vous aimez filmer. Mais s'il n'avait pas filmé ça là-haut, est-ce que vous allez savoir qu'il a offert quelque chose à quelqu'un? Hein? Est-ce que vous allez dire, mais, est-ce que c'est vrai même? Où est la vidéo? On n'a pas vu. Il a filmé encore. Vous êtes là. Oui, quand vous rendez service, quand vous aidez les gens, vous filmez. Mais c'est tout ça, ce sont des preuves. Est-ce que quand il a fait sortir 400 000, il a fait sortir 400 000 pour partager aux oncles du vieux là. Est-ce qu'il a filmé? Il n'a pas filmé ça. C'est aujourd'hui que vous-même, vous savez que il a fait sortir. Aujourd'hui, il est venu dire qu'il a fait sortir 400 000 pour partager aux oncles du vieux. Mais ça, il n'a pas montré, c'est hors caméra. C'est hors caméra. Hein? Mais c'est méchant. C'est méchant. Les gens sont tellement... C'est-à-dire que les gens te poussent tellement à bout même là. Que tu ne veux pas aider quelqu'un. Et puis c'est tout à fait normal. Il pourrait prendre cet argent-là pour aider ses cousines, pour aider ses soeurs. Vous pensez que lui n'a pas de famille? Il a une famille. Mais il prend cet argent-là pour dire que ah, je vais aider les gens qui en ont besoin. Est-ce que le vieux là-haut, lui qui vient se plaindre, oh, je ne touche pas mon argent, ça fin du mois, on ne me donne pas mes 200 000. Mais est-ce que toi, tu t'es posé la question? Parce que Apuchou là, tu peux le mettre au monde, tu es plus vieux que lui. Tu es plus vieux que lui. Mais le jour que tu l'as croisé, regarde comment le vieux même s'est couché sur lui. Il s'est couché comme ça sur Apuchou. On dirait que c'est Apuchou qui l'a mis au monde. On dirait que c'est Apuchou qui l'a accouché. Hein? Mais c'est ce même Apuchou là que tu n'as pas cherché à rentrer en contact avec lui. Et comme tu as eu une nouvelle personne aussi qui veut bouffer sur ton dos, donc tu t'en vas le salir. Mais c'est méchant. Parce que ces personnes, tu étais là. Ils étaient là quand tu souffrais. Hein? Peut-être que ce jeune homme aujourd'hui qui est venu baisser son,
sa vitre, la vitre de sa voiture, pour que tu viennes, pour que tu viennes dire de la méchanceté si à Poutou. Mais je pense que ce même jeune qui te voyait que tu mendiais là, il montait la vitre de sa voiture pour ne même pas te voir en fait. Pour ne même pas voir c'est qui ce vieux là. Il faisait monter la vitre de sa voiture. Mais comme il a vu aujourd'hui que ça va bien, comme il a vu aujourd'hui qu'il y a l'argent qui rentre, peut-être que c'est le vieux même qui bouffe ton argent. Peut-être que c'est le jeune là même là qui bouffe ton argent. Selon toi, le vieux, tu reçois 200 000 là, tu fais quoi avec? Si c'est pas pour aller boire Bandit, si c'est pas pour aller au Koutou Koudron, aller boire Belay. Mais ce sont ces gens-là qui te suivent. Ce sont eux-mêmes qui bouffent ton argent. Tes 200 000 là, tu ne gagnes rien dedans. Sinon, lui, son problème, il est où? Lui, son problème, papa, il est venu faire là. Son problème, il est où? Si ce n'est pas non, il est venu chercher. Si ce n'est pas les gens qui sont derrière le vieux là pour bouffer son argent. Sinon, 200 000 là, le vieux là, il fait quoi avec? Il fait quoi avec? Ils vont le prendre. Viens en partie. Ils vont aller dans le coin là pour aller boire. Mais c'est méchant. Oui. Mais c'est pas à cause de ça aussi, toi aussi, tu vas arrêter de rendre service aux gens. Hein? Parce que le bienfait là n'est jamais perdu. Au fur et à mesure que tu aides les gens, mais Dieu te bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Au fur et à mesure que tu continues d'aider les gens, au fur et à mesure que tu aides là, Dieu te bénit. Parce que Dieu ne va pas regarder, oui, tu as rendu service à telle personne, et puis la personne n'a pas été reconnaissante envers toi, je ne vais pas te bénir. Non. Au fur et à mesure que tu continues d'aider les gens, mais Dieu continue de te bénir. C'est pour ça que le bienfait là, c'est jamais perdu. Il faut toujours aider sans rien demander en retour. C'est-à-dire que le retour là, c'est Dieu qui te bénit. Oui! Le retour là, c'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te bénit. Parfois, ça fait mal. Quand tu es là, tu dis, mais j'aide cette personne. Et puis, c'est comme ça la personne se comporte envers moi. J'aide cette personne. Et la personne, c'est comme ça la personne me traite. Mais c'est la méchanceté de l'homme noir. L'homme noir ne peut pas changer. On est comme ça. Oh oui. Quand on est en train de manger... Hein, qu'on attend de manger pour les gens là. On est là, on rit. Mais après la même personne, on vient s'asseoir pour l'insulter comme poisson pourri. La même personne, on vient s'asseoir pour lui traiter tous les noms. C'est comme ça l'homme noir. On ne peut pas changer. C'est notre nature. La méchanceté là, c'est dans notre corps. C'est comme ça Dieu nous a créés. Hein? C'est comme ça, on a été créés comme ça, la méchanceté en nous. Tu vas beau aider quelqu'un. Tu vas beau aider quelqu'un. Tu vas beau aider. Même si tu n'as pas à manger, que tu aides cette personne va venir s'asseoir pour te, c'est-à-dire que pour te salir. Bon, c'est pas nouveau. Mais c'est pas pour autant que tu vas te décourager, tu vas pas aider. Il faut continuer d'aider seulement. Oui, il faut continuer d'aider. Parce que le vieux là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, c'est ça que je dis que le vieux là, ils ont déjà gâté les choses. Donc tu vas beau faire, rien ne pourra encore le changer. Ils ont déjà gâté. Sa tête là, c'est déjà gâté. Ils ont déjà détourné sa tête. Ils ont déjà détourné sa tête. Donc tu vas te fâcher contre quelqu'un qui est comme cela là-haut. C'est toi-même, tu te fatigues. C'est toi-même encore là. Tu te fatigues. Donc là, Apoutou, nous, on sait le bien que tu fais, on sait le service que tu rends aux gens. Voilà, on sait que tu aimes beaucoup de personnes. On a vu si tu as aidé une maman handicapée, tu as acheté fauteuil roulant, mais malheureusement, les gens sans cœur, les méchantes personnes sont allées voler chaises roulantes là. On ne sait pas, ils vont faire quoi, fauteuil roulant. On ne sait pas, fauteuil roulant là, ils vont faire ça, ils vont aller vendre même. Ça pourra même pas arriver 50 000. Donc, toi, continue d'aider seulement. Continue d'aider. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est une petite vidéo entre parenthèses. Voilà. Donc, peut-être que ce sont des personnes qui ne voient pas ce que tu fais. Voilà. Qui vont venir dire que tu as juste profité du vieux. Que tu as profité du vieux juste pour faire le buzz.
Non, mais nous qui sommes un peu quand même intelligentes là, on voit ce que tu fais. Ah oui, quand il y a la vérité, il faut dire, hein. Voilà. Quand il y a la vérité, quand la personne fait quelque chose de bien, quand c'est bon là, il faut avoir le courage pour dire que c'est bon. Oui, oui. Il faut avoir le courage pour dire que, ah, cette fois-ci là, il a fait du bien, il a fait bon, il a fait bon travail. Mais tu vas venir t'asseoir chaque jour pour dire, hé, c'est que là, est-ce que le taxi là même là-haut, est-ce que c'est pour le vieux, est-ce que le contrat là même, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas juste pour faire la publicité de l'entreprise, c'est mamie, c'est l'auto. Ils vont pas voir les choses comme ça. Donc, si toi tu veux aider, tu continues seulement, les gens n'ont qu'à parler, toi tu continues d'aider. Et le temps qui va avec. Voilà. Et le temps qui va avec. Donc, famille, c'était juste une petite vidéo en parenthèse, je ne vais pas trop prendre du temps. Voilà, donc c'est juste une petite vidéo pour dire le vieux. Il n'est pas été, voilà, il n'est pas été, comment on appelle, intelligent. Il est tombé dans le piège des gens pour venir salir l'image de son petit. Sinon, il pouvait bien rentrer en contact. Même s'il y a un problème de paiement, même si tu n'as pas reçu ton argent, voilà, tu pouvais bien rentrer en contact avec son petit pour dire, ah, mon petit, c'est comment que, voilà, il y a un petit souci, voilà, je n'ai pas encore touché mon argent, quoi, quoi. Il va essayer de régler. Mais tiens, vous filmez le vieux parce que le vieux, il est un peu tonton. Parce que le vieux, c'est des V5 ne font pas 50. Vous venez le filmer, vous le forcez à parler, vous le forcez à dénigrer, à pousser, puis vous partagez. Parce que vous voulez faire le buzz. Hein? C'est méchant. Voilà, c'est méchant. Changer les mentalités. Hein? Changer. C'est pour cela que l'Afrique ne peut pas évoluer. C'est pour cela qu'on va toujours rester derrière. Pendant que les Européens sont en train d'avancer. Pendant que les Blancs avancent là, nous, les Noirs, nos gros nez là, hein, on est là toujours en vouloir salir, on est là toujours en train de tout gâter. Comment on va évoluer, hein? Donc, en tout cas, bonne soirée, c'était votre long valoir de Bruxelles, hein, le thème qui va avec. Donc, à Poutou, il faut continuer de faire du bien. Il ne faut pas regarder ce que les gens vont dire. Toi, il faut avancer seulement. Au fur et à mesure que tu aides, au fur et à mesure que tu donnes là, Dieu te donne plus. Tu vas te récompenser. Mais si tu veux écouter bouche des gens, tu veux écouter bouche des gens pour dire, oh, j'ai aidé telle personne. La personne n'a pas été reconnaissante. Je fais ceci pour telle personne. La personne n'a pas été reconnaissante. Moi, mais toi-même, donc toi, tu aides les gens pour qu'on soit reconnaissant envers toi. Hein? Donc, toi, tu aides les gens pour qu'on soit reconnaissant envers toi. Faut pas aider les gens pour attendre la récompense de l'Africain gros nez. Parce que l'Africain gros nez ne sera jamais reconnaissant. Si tu veux, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Jamais reconnaissant. On est comme ça. On est né comme ça. Et on va mourir comme ça. L'ingratitude, c'est toujours dans notre sang. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire ce soir. En tout cas, bonne soirée à vous. Bonne nuit à vous. C'était votre Lova de Bruxelles. Et le thème qui va avec. On se dit à demain. Pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. C'était moi. Ciao.